Simone Veil. Seul l'espoir apaise la douleur. Un podcast original produit par Lina, écrit par Léa Weinstein, avec le concours de Dominique Missika. Juillet 1944. Cela fait 3 mois que Simone Veil, sa sœur et sa mère survivent à Auschwitz. Une capo, impressionnée par la beauté de Simone, lui propose de la transférer dans un camp annexe, réputé pour être un peu moins dur. « Tu es trop belle pour mourir », lui dit-elle. Simone Veil accepte, à condition d'y emmener sa sœur et sa mère. Elles arrivent toutes trois dans ce camp de Bobrek, le 8 juillet 1944. Simone Veil, seul l'espoir apaise la douleur. Troisième épisode. De Bobrek à Bergen-Belsen, juillet 1944, avril 1945. Je suis arrivé le 8 ou 9 juillet à Bobrek et on y est resté jusqu'au 18 janvier. 6 mois, c'est beaucoup. 6 mois, où on vit dans des conditions qui sont tout de même où il n'y a pas d'appel, où le travail est. Au terrassement, c'est dur, mais enfin, c'était beaucoup moins dur. La nourriture n'est pas bien meilleure, mais on a moins faim. C'est pas la nourriture qui était plus dure. Alors, les premiers mois à Bobrek, j'ai fait du terrassement. Mais enfin, on était moins surveillés, c'était un petit camp. On était en tout. 35 femmes, je crois, et puis 250 hommes, quelque chose comme ça. Mais les 35 femmes, on était dans l'usine où on travaillait, et il y avait un étage qui faisait un peu genre grenier. C'était un grand espace, on était toutes ensemble, aucun appel. Là, le SS venait le soir nous compter. Son amusement, c'était d'arriver au moment où on faisait notre toilette ou autre. Alors là, ça avait des... Bon, chacun, c'est vrai. Et puis... était arrivée avec nous une femme française qui était dentiste, 2 femmes qui étaient venues du bloc d'expérience, qui étaient françaises aussi, d'origine polonaise, et qui étaient communistes, qui avaient été au bloc d'expérience, et qui étaient sorties du bloc d'expérience, et qui avaient été envoyées là par la filière communiste, parce qu'elles savaient qu'au bloc d'expérience, enfin le médecin leur avait dit, vous savez, jusqu'à maintenant, les expériences n'avaient aucune importance, ne pouvaient avoir aucune conséquence sur votre santé. Mais maintenant, je sais, vraiment, je ne sais pas. Je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est plus, il faut que vous trouviez un endroit pour partir. Et elles avaient pu se faire, par la filière de soutien, venir. Et je dois dire, je dis ça sur elles, qui étaient les 2 qui étaient communistes. Et qui ont été tout de même des amies merveilleuses. Et le Bobrek, on faisait du terrassement, mais sans être harcelé. Il n'y avait pas d'abord de capot pour surveiller ce travail. Et puis le SS, il était là, il n'était pas là. Enfin, c'était pas. Je dirais qu'il y avait un problème tout de même à Bobrek, c'était. Les hommes n'aiment pas beaucoup en parler. Je ne sais pas si ceux qui ont témoigné en ont parlé ou pas. C'était tout de même, je crois que c'est le seul camp dont j'ai entendu parler comme ça, qui était un camp où les hommes et les femmes étaient beaucoup ensemble. Ça ne facilitait pas la vie. Quand on était à Birkenau, Auschwitz, qu'on avait la vie quotidienne vraiment des portées de base, hommes ou femmes, ça n'existait pas. Mais alors à Bobrek, tout de même, on était... On les rencontrait beaucoup, les hommes. Et puis, il y en avait parmi eux qui étaient très libres, qui allaient où ils voulaient, qui essayaient vraiment de vous acheter par tous les moyens. Et alors, ça faisait une pression qui était insupportable.
par moment. Insupportable. Parce qu'on était très peu de femmes. Bon, quand on était au terrassement, que j'étais avec maman, etc. Mais dès qu'on était un tout petit peu isolés, comme ça, on se trouvait seuls. Et non, et puis qu'ils faisaient pas ça, ils n'auraient pas tenté. C'était la pression morale. Par exemple, il y avait un déporté qui avait beaucoup de facilité et autres. Alors, il voulait me donner à manger, mais il exigeait qu'il travaillait dans la cuisine. Bon, la cuisine, c'est juste en face. La cuisine SS, c'était en face de notre bloc. Et moi, je mangeais suffisamment. Ce qu'on avait au camp, bon, j'avais pas... c'était pas... Bon, ça, j'avais pas faim, j'étais pas affamée du tout. J'avais pas, à ce moment-là... Et maman ne pouvait rien manger. Alors, je lui disais, je veux l'apporter à maman. Elle me disait, non, tu ne manges pas. Je lui dis, non, je l'apporte à maman. Alors, chaque fois, c'était pénible. C'était ce genre de choses. Mais c'était quelquefois encore plus... Et puis, en même temps, il y avait d'autres qui étaient, je me souviens, comme ça, un autre qui ne m'a jamais rien demandé, jamais eu le moindre geste, ni rien. On a passé Noël encore, là. Et alors, lui, je ne sais pas, il était dans les premiers numéros. Il était arrivé depuis très longtemps, je crois que c'était un Autrichien. Je n'ai jamais su grand-chose sur lui. Et alors, je ne sais pas comment, pour Noël, il s'était procuré du parfum pour moi. Mais il m'a jamais rien demandé, jamais rien. Il m'avait donné un pyjama neuf. Il avait de l'argent, sûrement. Comment est-ce qu'il s'était procuré cet argent? Qu'est-ce qu'il s'est pas? Et il m'avait donné, je me souviens, du parfum et un pyjama. Alors ça, c'était au camp. C'était. Puis après, alors, je dois dire, quand on a été à Gleiwitz, quand on s'est retrouvé aussi avec beaucoup d'hommes. Alors là, c'était un autre chantage. C'était les hommes qui vous disent, on n'a pas vu de femme depuis 10 ans. Aussi, c'était uniquement les... Bien sûr, c'est toujours la même chose. C'était les capots, les chefs de bloc, les gens qui avaient des responsabilités. On n'est resté que 2 jours, là, alors. De Bobrec, vous sentez que c'est la fin de... Vous entendez les bombardements? À partir de l'été, d'abord, on avait eu un premier espoir à Bobrec, qui était, parce qu'on l'a su tout de suite, comme il y avait des gens des déportés qui travaillaient dans les bureaux, et tout ça était un espace très petit, et qu'on vivait beaucoup plus en pouvant dialoguer entre nous, se rencontrer plus facilement. Donc on a su, dès qu'il y a eu l'attentat contre Hitler, on l'a su immédiatement. Et on avait eu beaucoup d'espoir qu'il ait été tué dans l'attentat. Malheureusement, ça n'était pas le cas. Ça a été une fausse joie. Mais à partir, je dirais, du mi-août, septembre, début septembre, on a vu qu'il a commencé à y avoir un grand reflux de l'armée allemande. Ça commençait déjà très tôt, l'offensive russe, et on a vu passer des choses. Parce que le camp était juste au bord de la route entre Cracovie et Katowice, je crois. On voyait passer des convois. Il me semble même, j'ai souvenir, c'est pas de quelques chameaux ou dromadaires avec des Mongols. Enfin, on avait vu passer de tout. Et puis des gens, et puis après, plus en plus, l'hiver a approché, et plus il y a eu des populations, des gens qui ont commencé, enfin, on voyait très bien, puis on a entendu ensuite le canon et la lueur du front. Enfin, donc, ça, c'est beaucoup plus tôt à l'automne, mais à partir de début janvier, on a vu que c'était vraiment... à ce moment-là, un espoir qui était celui qu'on pensait que la guerre finirait très vite. Et on n'avait pas du tout, on ne savait pas du tout que dans les Ardennes, enfin, qu'il y aurait tout l'échec des Ardennes, enfin, tout ça serait très long. On voyait ça se terminer dans les semaines à venir, tellement on avait le sentiment d'une pression tellement, tellement forte et surtout d'un exode très, très important et d'une déroute allemande. Et puis, en même temps, la crainte de se dire qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils auront le temps de nous gazer avant, de nous supprimer, pour qu'il reste rien? À quel moment vous avez compris que c'était réel, le gazage?
Très vite. Je veux dire, les gens, quand les gens de la famille, ils ont voulu croire une journée ou deux. Mais quand ils ont, dès qu'on a rencontré les Françaises qui étaient là depuis un moment et qui nous ont dit la même chose, et ça, ça a été tout de suite pendant la quarantaine, quand il y avait des nouvelles qui arrivaient, d'abord, les gens qui étaient là avaient toujours peur de voir arriver de la famille. Donc, quand, dès qu'il y avait un convoi de Françaises, ils venaient pour venir aux nouvelles et vérifier qu'il n'y avait personne, se renseigner, essayer aussi de savoir ce qui se passait en France. Et dès qu'il y avait ce contact, très vite, on n'avait plus, je dois dire, dans la journée, pratiquement, on savait à quoi s'en tenir. Et surtout, alors, à partir du moment où on nous a dit que on allait à Auschwitz, on s'est dit, à Auschwitz, pourquoi ? Enfin, voilà, donc on se demandait. Ce qui fait que, en fait, notre groupe, on a été jusqu'à Monowitz, puis on est revenu sur nos pas parce que c'était pas dans la trajectoire. Et que c'est au moment où, quand on avait dépassé Auschwitz et que le corps était passé, qu'on s'est dit, bon, ben, en tout cas, voilà. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de nous, mais en tout cas, c'est pas, on ne sera pas gazé là. On pouvait nous fusiller, mais c'était plus compliqué. Et on a marché. Ça, c'était le soir, tard. On était partis. Il ne faisait pas encore complètement nuit, vers 5 heures de Bobrek. On avait été vers Monowitz, Auschwitz. Et puis, on était vers Gleiwitz, qui devait être entre 70 et 80 kilomètres, à peu près en tout, on a dû faire 80 kilomètres, en s'arrêtant juste quelques heures dans une grange, où presque tout le monde, à un moment quelconque de la marche, s'est arrêté d'ailleurs. On est arrivé à Gleiwitz, où il y avait alors, d'abord il y avait des camps à Gleiwitz même, et puis ils avaient ramené les gens de toute cette région, parce que toute la zone d'Auschwitz était une zone où il y avait énormément de camps, de commandos, de plusieurs dizaines de milliers. Donc on s'est retrouvés très nombreux là, et où il y avait là aussi, on distribuait rien. Et où là, les femmes ont été privilégiées un peu, parce que comme on a travaillé dans la cuisine des SS, on nous a donné du pain, de la soupe, enfin et à boire. Les gens avaient vraiment rien à boire ni à manger. Et puis on est resté 2 jours, je crois, quelque chose comme ça, pas très longtemps, à Gleiwitz. Je crois qu'il y a eu des sélections, mais des sélections où on passait comme ça sans savoir même que c'était une sélection. On passait devant les SS. Et puis, tous ces gens entassés qui venaient vraiment. Il y en avait, je dis, qui étaient déportés depuis 39-40, enfin depuis des années, ou même détenus avant déjà, probablement. Il va y avoir. Parmi les politiques d'anciens communistes, d'anciens socialistes, enfin des premiers Allemands des années 33-34, il n'en restait pas beaucoup. Ils n'en restaient pas beaucoup, mais à partir, quand ils avaient franchi un certain temps, et surtout les Allemands, ils en avaient besoin dans les bureaux, ils leur servaient. On a beaucoup dit que beaucoup d'entre eux avaient disparu à la fin, parce qu'ils savaient trop de choses pour témoigner. Mais c'était assez l'enfer de Nantes. C'était des gens qui pensent qu'ils vont mourir. Donc, ils recherchent n'importe quelle jouissance. N'importe quoi. Y compris les SS, d'ailleurs. Parce qu'au fond, les SS se sentaient nécessairement aussi menacés, puisque les Russes étaient tout près. Pour moi, ça reste toujours aussi incompréhensible. Et d'ailleurs, certains historiens en ont parlé beaucoup de ça. C'est que, je crois que c'est Philippe Burin, ou je ne sais plus quel historien, comme ça, qui dit que l'obsession de tuer les Juifs était pour Hitler, à un moment, plus important que la victoire. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Pourquoi est-ce qu'on nous a évacués de... Il n'y avait qu'à nous laisser à Auschwitz, on a encombré. Il a fallu nous mettre dans des trains. On était incapables de travailler, on n'était plus bons à rien. De toute façon, c'était la moitié sont morts dans les trains. Dans chacun de ces convois, qui étaient souvent de 1500, 2000, des wagons à bois sous la neige, sans manger, sans etc. Plus de la moitié sont morts. Qu'est-ce qu'il est resté de tous ces gens ? Quand on nous a fait ensuite, quelquefois, partir d'un camp pour les derniers jours, tout ça n'a aucun sens. Aucun sens.
Parce qu'il laissait les cadavres. Et vraiment, alors, moi, j'ai eu ce sentiment à Gleiwitz, surtout. Parce que je suis convaincue qu'à Gleiwitz, ils n'ont pas pu évacuer tous les... D'abord, les Allemands, les civils allemands, il y en avait beaucoup. Ni les soldats, ni les SS, certainement, beaucoup sont restés. Et on a fait partir des trains avec des mourants. On sait très bien, ça, chacun de ces trains, c'est au moins la moitié qui est mort. On est donc évacué à Gleiwitz, on prend ces trains qui étaient des trains complètement ouverts, des plateaux à bois. Donc d'autres étaient dans des wagons peut-être un peu plus hauts pour le charbon, mais là c'est des plateaux à bois. On était entassés, et tellement entassés que comme on se battait pour se faire un peu de place, on ne pouvait même pas s'asseoir, il y en avait qui essayaient de vous jeter par-dessus la rambarde. Pour se faire de la place, simplement, pour rester. Ma sœur avait des traces de griffes qu'elle avait eues de certaines déportées qu'il avait griffées dans le wagon pour essayer de la sortir dehors. Et... Il n'y avait que des femmes ou c'était mélangé? Non, on n'était pas mélangé. Les femmes. Alors, ce qui est extraordinaire, on est passé... Gleiwitz, c'est le sud-est. Et alors, après, on est passé très rapidement... On est passé par la Tchécoslovaquie, les faubourgs de Prague. Et dans les faubourgs de Prague, comme on était dans ces wagons tout à fait ouverts, on ne passait pas très loin des maisons. Les Tchèques, qui avaient dû avoir déjà plusieurs trains qui étaient passés, ils nous ont envoyé du pain, ils ont envoyé ce qu'ils pouvaient. Alors on recevait ce qui... Pas tout, mais enfin, on en recevait tout de même pas mal. Puis quand on s'arrêtait dans une gare, ils venaient apporter des seaux d'eau. Enfin. Et du jour même, au moment où on passait la frontière, c'était fini. Vraiment, mais on a vu le moment où on passait la frontière. Et puis ensuite, passé par l'Autriche, on a été à Mauthausen. Mauthausen, il n'y avait pas de place. On est resté quelques heures. On est reparti vers le nord, dans ce convoi. Et ce train a été jusqu'à Dora. Et à Dora, la moitié des gens étaient morts en arrivant. Pareil, mais les femmes, personne, je crois, pas une seule femme. On était très peu nombreuses comme femmes. Il y avait notre groupe de Bobrek, et puis il y avait un groupe de femmes tziganes. On était dans une petite baraque qui était à l'entrée du camp, et d'ailleurs, il y a un livre sur Dora, et il parle que les archives du Dora, j'ai reçu une fois une lettre comme ça de gens qui m'ont écrit, en disant, on a vu que vous aviez été à Dora, dans le seul convoi où il y a eu des femmes qui se sont arrêtées à Dora. Et où on était, je ne sais pas, peut-être en tout une soixantaine, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus. Et on est resté, donc c'était à l'extérieur du camp, tous les hommes sont entrés. Je pense que beaucoup sont morts encore ensuite. Et les femmes ont toutes survécu. Il y a une femme qui a accouché dans la nuit, une femme tzigane, qui a accouché dans la nuit. On a tué tout de suite, le bébé a été tué tout de suite, elle l'a tué, je crois, elle-même ou ses amis. Mais elle a survécu, elle a accouché comme ça. Puis il y a des Français qui ont appris qui étaient à Dora, qui ont appris qu'il y avait des Françaises et qui sont venues nous apporter à manger. Ayant appris qu'il y avait des Françaises, là-dessus, le SS les a surpris. Et je crois qu'ils ont dû recevoir une ou deux gifles, mais enfin, ça n'a pas l'air. Et puis nous, au bout de deux ou trois jours, on est reparti pour Bergen-Belsen, on n'est pas resté à Dora. Mais enfin, c'est inscrit dans les archives de Dora. Parmi les hommes, aucun des hommes qui étaient avec nous à Bobrek n'était dans ce train, donc je n'ai rien su de ceux qui étaient à Dora. Les hommes qui étaient avec nous, beaucoup sont partis à Berlin, parce qu'à cause des bombardements, il fallait déblayer la ville, les pierres, etc. Et puis donc, nous sommes restés juste deux jours, et on est repartis, alors cette fois en wagon fermé, wagon à bestiaux ordinaires, mais on n'était pas du tout entassés, parce qu'on était peu nombreuses. Et jusqu'à Bergen-Belsen. Et où on a dû arriver le 30 ou le 31 janvier, quelque chose comme ça. On avait quitté le 18 janvier. Et à Bergen-Belsen, il n'y avait encore pas trop de monde. C'est après qu'il y a eu, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les grandes évacuations sur Bergen-Belsen.
Alors nous, ça m'a réveillé, il y avait des Françaises qui étaient arrivées venant d'Auschwitz, beaucoup plus tôt, vers le... Il y avait eu des... notamment des Hongroises, mais pas seulement, même parmi les Françaises, certaines qui étaient parties au mois d'octobre, qui avaient quitté Birkenau, ma belle-sœur par exemple, et qui est partie à ce moment-là, qui est passée à Bergen-Belsen, et enfin moi je la connaissais pas encore, mais enfin un certain nombre ont quitté à ce moment-là, mais il y a eu surtout énormément d'arrivées absolument de toutes les régions, puisque l'Allemagne s'est petit à petit réduite de plus en plus, c'est la Pologne. Tous les gens sont bifurqués vers cette région qui était une région qui paraissait assez éloignée de tout. Les gens, ils sont morts de faim, de soif et surtout du typhus. Il n'y avait pas de chambre à gaz. Enfin, peut-être une toute petite chambre à gaz dans certains cas, tout à fait. Mais enfin, je ne crois même pas. Mais les gens, la mortalité... les dernières semaines a été effroyable. Le plus, c'est le typhus, mais c'est aussi la faim, parce que je crois qu'il y a eu de, enfin on l'a dit, mais beaucoup de raisons de croire que c'est vrai, qu'il y a eu du cannibalisme à Bergen-Belsen. On travaillait pas. Enfin, moi, j'ai travaillé et j'ai considéré que c'était une grande, grande chance de travailler. Justement, j'ai rencontré, c'est comme ça par hasard que j'ai rencontré Stenia, de nouveau. Elle était chef du camp, comme dans les mêmes fonctions que ce qu'elle avait à Auschwitz, toujours très... C'est une belle femme, très beaucoup d'allure. Et rencontrée par hasard, parce qu'on ne travaillait pas, on errait un peu dans... Et elle m'a reconnue tout de suite. Et elle m'a mise dans un des rares activités qu'il y avait à Bergen-Belsen, puisqu'on ne pouvait pas occuper les gens. Elle m'a mise à la cuisine des SS, ce qui évidemment était un très grand privilège. Mais moi, je ne sais pas voler, je ne sais pas m'organiser. C'est seulement après la libération qu'on m'a expliqué comment il fallait faire pour les vols. Parce que le vol, là, en plus, on le faisait sur les SS. Alors, on n'avait pas beaucoup de scrupules. Mais en fait, comme il y avait celle qui travaillait à la cuisine des SS, et puis celle qui travaillait pour la cuisine ordinaire, on communiquait facilement avec elle. On expliquait. Alors, il fallait leur apporter de la soupe qu'on ne mangeait pas, nous, parce qu'on avait autre chose. On leur apportait de la soupe, et en échange, elle nous sortait les trucs parce qu'elle n'était pas fouillée. Tandis que nous, on était fouillés. Beaucoup plus surveillée. Et alors, moi, bah, je sais pas, j'étais vraiment tout à fait incapable. J'ai appris ça après la libération. Des prix aussi, d'ailleurs, ce que valaient les choses. Parce qu'il y avait les gens qui volaient pour se nourrir ou pour des amis. Et puis, il y avait aussi ceux qui vendaient. Ça s'est toujours fait aussi. Ben, moi, je me faisais prendre. Je me faisais prendre quand je volais du sucre des SS, c'est-à-dire que le lait qu'on faisait cuire pour les SS, il y avait un peu moins de lait, personne n'y voyait rien. Mais alors je faisais un travail qui avait l'air très reposant et très sans inconvénient, mais qui a été terrible. D'abord parce que j'avais failli me faire renvoyer. C'était comme il n'y avait plus rien, les Allemands eux-mêmes, il n'y avait plus de farine, ils avaient des pommes de terre. Alors on avait des tonneaux et on devait râper, il y avait des grosses râpes, on râpait les pommes de terre. Et j'avais l'impression que je mettais plus de sang dans la pomme de terre râpée, il y avait que toute ma peau partait, que tout ça pour en râpant, parce que j'arrivais pas à aller assez vite. Et alors on me disait toujours, on devait faire un tonneau dans la journée, enfin ce qui était tout à fait impossible, rien. Alors je rajoutais de l'eau, parce que comme ça rend beaucoup d'eau de toute façon. Mais j'arrivais tout de même pas à faire mon plein de... Comme on dormait presque pas la nuit, parce qu'il y avait la nuit, il y avait des alertes. Très souvent, on partait très tard, on rentrait très tard dans le camp. Et j'ai dû en plus avoir le typhus sans même en rendre compte. Moi, j'ai la plupart des maladies que j'ai eues, je crois que toutes les maladies que j'ai eues dans ma vie, ça a toujours été des maladies comme la scarlatine. Je crois que je suis jamais malade. Jamais la grippe, j'ai jamais rien. Alors que j'ai les choses quand même, mais on s'en aperçoit pas.
Et là, j'ai dû avoir le typhus, parce que d'après des tests, le médecin en rentrant m'a dit, vous avez sûrement eu le typhus. Maman est morte du typhus, ma sœur l'a eu très gravement. Mais enfin, j'étais très contente une fois, parce que je me suis fait prendre tout de même avec du sucre que j'avais volé pour elle. Et j'ai trouvé qu'ils étaient, alors j'ai dû faire, je ne sais pas combien de temps, ramper par terre ou non, mais ils m'ont laissé le sucre. Alors, je ne sais pas s'ils ont oublié de le reprendre ou s'ils me l'ont laissé en disant que j'avais payé suffisamment. Mais tout ça n'a pas été une période très longue, mais une période terrible. Terrible parce que vraiment, les cadavres... Enfin, on a vu tous ces films de témoignages sur Bregan Melzen. Les cadavres étaient assimilés. C'était des squelettes, les cadavres. Vraiment, il ne restait rien. Ils pesaient, je ne sais pas... Les gens avaient des dysenteries épouvantables. Ils n'avaient pas le temps de sortir. C'était vraiment épouvantable. Il n'y avait plus un endroit pour se loger, même dans les toilettes, où il y avait des lavabos. Les gens étaient sous les lavabos. C'est fou. Et quand les Anglais sont arrivés, on savait qu'ils allaient arriver. D'ailleurs, m'était confirmé récemment. J'ai lu un livre d'un Anglais expliquant que l'accord entre les Anglais et les Allemands s'étaient faites quelques jours avant, et d'ailleurs on voyait les SS avec des brassards blancs. Mais d'ailleurs les SS, je suis convaincu, beaucoup sont morts du typhus, sûrement sont morts du typhus aussi. Et quand les Anglais sont arrivés, c'était épouvantable, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Et alors il y avait le typhus se répand par les poux. Et alors, il y avait tellement de poux dans les vêtements qu'on n'arrivait plus à s'en débarrasser. On essayait n'importe quoi. Et je me souviens une fois, comme ça, je marchais. C'était après, là, je marchais. Et puis, de loin, je vois un gendarme et je dis, oh, tiens, il est en angora, là. Ce que j'ai est moche, je vais changer. C'était les lances qui donnaient le sentiment qu'il y avait de l'angora sur le pourtour du gendarme. C'est fou. C'est fou. Il y en avait, c'était effrayant. Et... ce que j'ai le plus apprécié en arrivant à Lutetia, mais déjà on en avait vu un peu ce que c'était à Bergen-Belsen, mais à Lutetia, c'est le DTT. On ne connaissait pas, ça, c'est nouveau, c'était la guerre qu'il y avait. Mais de dire qu'on était débarrassé des poux, c'était effrayant. On était dévorés, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait plus rien faire. D'ailleurs, il n'y avait aucun moyen de se laver, il n'y avait plus d'eau. La seule eau qu'il y avait, c'était, il y avait deux ou trois empiècements qui avaient été des bassins et qui étaient devenus une espèce de marécage où on jetait n'importe quoi. Et les gens avaient tellement soif, il n'y avait tellement pas d'eau dans le camp qu'ils étaient entourés de barbelés et les gens passaient les barbelés et se faisaient tuer pour aller chercher de l'eau dans ces bassins dégoûtants où on jetait n'importe quoi. Alors en plus, quand les gens sont malades, ils ont horriblement soif. Alors c'est évidemment le fait tout de même d'être dans la cuisine. Moi, je sais, je ne pouvais rien manger. J'étais incapable de manger, mais dans la cuisine des SS, ils faisaient cuire du lait. Et alors je volais, moi qui n'aime pas le lait, qui de nouveau n'aime pas le lait, mais si à ce moment-là, je volais deux, trois verres. Ben ça, c'était très facile, il n'y avait aucun risque. Les grandes cuves de lait étaient juste à côté de l'endroit où il y avait mes râpes à pommes de terre. Alors je me levais, j'allais boire un verre de lait, je prenais avec mon... Mais... c'est pas un endroit qui avait été destiné à ça. Et c'est l'accumulation. D'ailleurs, les Anglais ont été eux-mêmes tellement dépassés et horrifiés que le général anglais a donné sa démission, a demandé à repartir au front très peu de temps après, parce que la guerre n'était pas finie, parce qu'il dit « j'ai aucun moyen, je peux rien faire », il ne supportait pas. Et vous parliez de l'hôtel Lutetia, vous pesiez combien à ce moment-là? Vous savez combien vous pesiez à votre retour? J'avais déjà beaucoup grossi. Je devais peser, là, au moment de la libération, 30-35 kilos, et là, 40.
Simone Veil. Seul l'espoir apaise la douleur. Un podcast original en 4 épisodes, produit par Lina. Réalisé par Make Some Noise. Écrit par Léa Weinstein, avec le concours de Dominique Missika. Avec la voix d'Isadora Darcial, musique originale, Michael Liu. Ce podcast a été réalisé à partir du témoignage de Simone Veil, recueilli par Catherine Bernstein le 9 mai 2006, dans le cadre de Mémoire de la Shoah, une initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l'INA. L'intégralité du récit de Simone Veil est disponible en librairie dans « Seul l'espoir apaise la douleur », une coédition Flammarion INA et en vidéo sur le site des grands entretiens de l'INA, entretien au pluriel, .ina.fr.